Bonjour à toi. Regarde, il y a mon acolyte là, David. Tu le vois? Il a décidé de faire une folie aujourd'hui. On va faire le Mont Gélas, 3143 mètres, en passant par le balcon. Randonnée en 8h30, 10h de marche. Je pense qu'il est fou. Il ne le réalise pas encore, hein. On fera un point plus tard, mais je pense que là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Allez, à plus, à toutes. Je te fais vivre l'aventure. C'est un cabri, les copains. Un vrai cabri. Lac de la Fouque, les amis. Direction Lac Long, là-haut. Ça grimpe, ça grimpe. Pour arriver au lac Long, ça grimpe. Et toujours dans la montée pour le lac Long, on commence à apercevoir la cime de la maladie au fond là-bas. On arrive au lac Long, 2550. Au pied et au sommet. Bien arrivé au lac Long. Étape 3 de la rando. Beaucoup de brouillard au niveau du balcon du Gélas. On va voir ce que ça donne. C'est très très brouillard. Regardez ce lac Long comme il est beau. Avec les sommets, la maladie derrière. Beaucoup de brouillard pour le Gélas, regardez ça. Oh. Wow. On va voir ça. Et faire du paddle sur le lac Long. Grosse grimpette intermédiaire. On va peut-être faire un petit break pour manger. On s'approche du Gélas. Un brouillard total. Dadou, il se pose plein de questions là. Il se pose plein de questions. Si on monte sur la lune ou pas. Dans l'ascension, j'ai perdu mon coéquipier David, qui a dû s'arrêter. Il commence à avoir des crampes. Et là, ça commence à être très difficile. La visibilité pour l'instant est pas bonne du tout. Je vois pas grand chose, mais j'arrive pas loin du Gélas. Je suis au pied du mont Gélas. Ouf, la visibilité est pas très bonne. J'hésite à faire le balcon. Pas grand chose. Allez, l'aventurier est là. Balcon. On aperçoit la brèche qui commence là. Le balcon, c'est vers ici. Ça y est, sur le balcon du Gélas. Je sais pas combien il y a de hauteur. On va regarder par là. On aperçoit les crêtes. Un brouillard. Par là où je dois passer. Je vais passer là. Et après ascensionner par ici. Ça y est. Je suis engagé là. Je suis la crête. C'est très abrupt à droite. Voilà. Bien que je reste sur le tracé. C'est vertigineux les copains. Oh, là c'est vraiment vertigineux. Très costaud.
incroyable. Il y a des apics d'un côté. Mon Dieu, la vie tient que par un fil. Mais je vous ferai voir cette vidéo. Je vais rentrer entier. Je vais escalader ça. Faut mieux pas aller par là. Je vous dis que... Grosse phase technique que je viens de passer. Oh putain. C'est mon comité d'accueil. Merci d'être là. La madame et la croix. Beaucoup d'émotion. Je vais manger l'as, les amis. 3143 mètres. Par le balcon. Incroyable, avec un brouillard très épais. Je suis passé dans ce brouillard-là. Et voilà les copains, l'aventure se termine début juillet 2023, le Mont Gélas par le balcon, magnifique dans le brouillard, c'était très costaud, mon ami David a dû s'arrêter avant avec les crampes et la madone derrière moi et le comité d'accueil, mes amis qui sont venus pour me féliciter. Regardez, ils sont là, ici, mon comité d'accueil. Vraiment ému aujourd'hui. J'ai eu des phases de peur, j'ai eu des phases de le faire tout seul pour la première fois dans le brouillard, c'était vraiment incroyable. Mais j'ai réussi, je vais redescendre par la brèche, elle est gelée, mais j'ai les crampons d'alpiniste. Alors, tu peux aimer, partager, t'abonner à ma chaîne, commenter également. Et je te dis à bientôt sur les sentiers pour de nouvelles aventures. Je suis sacrément ému.